Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse dinguerie. Je vais aller actuellement chez Eden IRL. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu les gars. Vous doutez bien, on s'est pas vu du tout. Là je sais pas comment ça va se passer, mais vous allez voir, une nuit très intelligente. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé un sale coup avec sa copine. En gros, j'ai envoyé un message à la copine d'Eden sur Instagram et je lui ai dit, je vais arriver chez Eden, j'aimerais bien lui faire une grosse surprise. C'est assez simple, le plan qu'on a imaginé avec sa copine. Actuellement équipé les gars, équipé, sac Uber Eats, casque, tu connais les Uber Eats, ils sont en casque, ils sont en moto ou en vélo. Je vais mettre le casque et tout, je vais faire une fausse voix et je vais me faire passer pour un livreur. En gros, sa copine, tout simplement, elle va dire à Eden, ouais, j'ai commandé à manger, est-ce que tu peux aller récupérer la commande devant? Et c'est moi qui vais livrer la commande. La copine d'Eden, vous allez, de toute façon, vous avez vu les messages, Eden n'est pas au courant. Ça va être tout en mal. En tout cas les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour le retour des vidéos IRL avec Eden. Voilà, j'en ai profité parce que la salle actuellement, je sais pas il est où, c'est barré. Mais bon, c'est parti pour le vlog. Bon, qu'est-ce qu'on a récupéré pour la route là? Bon les gars, vous doutez bien, sur la route, tu connais Red Bull. On a fait des petites découvertes, abricots fraises, tout ça, on va aller voir ce que ça donne. Alien, qu'est-ce que tu nous as pris toi de bon? Je soft, hein, j'ai pris un coca. Coca toi? Et toi Boubou? Et Boubou est en mode viennoiserie aujourd'hui. Moi je pense à tout le monde. Et oui, voilà, l'esprit d'équipe ici. On part sur des Pringles quoi. Voilà, des petites Pringles sur la route. Je pense qu'on est parti, on va aller récupérer juste nos sandwichs et on est parti pour 5h. Alien, dis-nous tout, le mot de la fin. En plus c'est l'Alien qui conduit les gars, donc autant vous dire que... Autant vous dire qu'on n'est pas prêt d'arriver. On n'est pas prêt d'arriver. Alien. Salut à tous, c'est Nani. Il a vraiment arrêté les vidéos en fait. Boubou. Non, moi je veux l'intro de Boubou. C'est vrai, Boubou, ça fait longtemps que t'as pas vu. Salut à tous, c'est Boubou. Mais on veut pas celle-là, nous. La vraie, la vraie. C'est à l'ancienne. Yo tout le monde, c'est Boubou. Salut à tous, ça va aller. Show me what you made of. You know what I came for. I see the real you. Direction la direction, comme on dit, Eden, on arrive. Enfin, le livreur à lui n'arrive. Livreur Uber Eats, c'est ma reconversion. Nous, où en sommes-nous? Dis-nous tout. Ok. Nino. là, comme tu peux le voir, on est en direction de la direction. On est à peu près à mi-chemin. La moitié. On peut dire qu'on est à mi-chemin. À mi-chemin. On est à l'aire de Thiel, pour ceux qui connaissent. L'aire de la Thiel. La destination, tu vois, c'est là. C'est dans les plans, c'est là. Ok. À peu près vers là. Tu vois. Mm-hmm. Nous, on est ici. On donc est techniquement, on est ici. Fait, voilà, on a fait la moitié. Quoi. Vous êtes ici. Et sachant qu'on vient de là, donc. Vous êtes ici. Donc ça fait ça. On est à Dijon pour les Dijonais. Ouais, on n'est pas encore à mi-chemin. On est à Dijon pour les Dijonais, les Dijonaises. Toi qui aimes bien la moutarde. Moi qui aime bien la moutarde. Et là il y a Besançon. Attends, mais là... Moi je sais pas, mais de mémoire je vois Besançon. Ça me fait penser à des crimes et des faits divers. Écoute, toi tu vois du tropico, c'est ça? Du tropico et on est en mode peace. Derrière, qui vois-je sur une poubelle là-haut? Et bah... L'alien qui gère, pas qui gère, comme vous savez, l'alien il est dans la crypto maintenant. Donc là, il gère les appels avec ses différents managers. Du coup là t'es sur un appel avec un manager pour la crypto, c'est ça? C'est quoi en ce moment qu'il faut investir en crypto? Sur la Bitson. Là? C'est la crypto indienne. Ah, la Bitson? Ouais. D'accord, ok. Bon bah ça va. Changement de pilote, la route se passe beaucoup mieux depuis que c'est moi qui conduis. N'est-ce pas Alien? Ouais. Voilà, on a des discussions, on discute un peu de la vie, voyez-vous. Au début c'était un peu thème musique, maintenant on discute, donc ça se passe très bien. Boubou, que penses-tu de nos discussions? Bah franchement on discute bien. Très enrichissante, donc voilà. Si vous voulez venir discuter avec nous, vous pouvez venir les 21h sur, à 21h sur les lives de Nuin. On fera des lives uniquement en discussion aussi. On viendra, on discutera des sujets qui vous intéressent et on débattra. Bon, ok les gars, on est actuellement arrivé chez Eden. Je viens d'arriver, vous pouvez voir les cons avec sa copine. Voilà, tout simplement. Je lui ai demandé si elle pouvait filmer en scred. Elle a dit je stresse pour vous, etc. Donc là je vais mettre l'équipement, j'ai peur qu'il me reconnaisse. Donc j'ai mis une veste pour vraiment faire ta vue Uber qui a froid et tout en scooter. C'est parti, hein. Je vais l'équiper. Déjà je vais fermer la veste. Tu sais que je stresse, j'ai peur qu'il me reconnaisse. Donc je vais faire une voix un peu, tu vois,
c'est pour la commande. Je sais pas comment encore amener la voix. J'ai une tête de livreur, de caméraman. Ouais, t'as une bonne tête de livreur. Bon, là, on te reconnaît, là, il te reconnaît, là, s'il faut comme ça. Là, il te reconnaît. C'est bon ? Bah oui. Il me reconnaît comme ça ? Bah oui. Il te reconnaît, il te reconnaît. C'est teinté ou pas ? C'est teinté, mais léger, quoi, c'est pas teinté noir. Les gars, on est parti avec mon sac Uber. Hop ! Pour vraiment faire livreur, tu vois. Là, je suis bien. Là, on est je suis stressé, livrer, les gars, je suis stressé. J'espère que le plan va marcher avec sa copine. En tout cas, on est parti, on est Stelly, on est Melly, on est Felly. Ok, je suis chaud, let's go. On va partir. Merci. Merci. J'arrive à respirer, gros. Les gars, j'ai du mal à respirer. Putain, on est là, sa copine m'a dit c'est la porte. Bonjour. Bonjour. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fout là maintenant, mais dis pas. Il va me cramer direct. Tu peux venir, hein, t'es cramé. Mais il est... t'es vraiment venu ça. Tu vas te faire la surprise quand même, quand même. Mais t'es vraiment malade, hein. Enlève-moi ça parce que j'en peux plus. En plus, je suis habillé en mode dégueulasse. Venez, je suis en mode pyjama chez moi. Les gars, t'es cramé par contre. T'as cramé oui. Direct. T'as cramé comment? Bah, quand tu toques, frérot, y'a jamais un livreur qui a toqué. Bah, oui, tu toques aussi fort. Il m'a cramé. De toute façon, c'était cramé. Je pouvais pas. En plus, t'as vu, j'ai très l'équipement et tout. Hein. Putain, mais t'es complètement perché, toi. T'es venu comment? Putain, bah, gros, il est venu en voiture, bon, 5 heures de route. Ah, ouais, c'est pour ça en fait. T'es complètement mal. Bah, vas-y, ciao. Vas-y, pour la grande frente. Y'a d'autres gens en bas, mais bon, on va les. Donc, voilà, salut. Bon, clairement, Eden, il est en pyjama, les gars. Ouais, je suis en mode zen. On vient de se remettre des émotions là, parce qu'en vrai, voilà, on l'a pas trop filmé aussi, nous, quand on parlait et tout. Ouais. Mais du coup, moi, déjà, je viens d'enchaîner 5 heures de route. C'est vrai, t'es complètement malade. Là, ça fait une semaine que je lui dis, ouais, quand la salle y part, est-ce que toi, tu vas rester à Clermont ou tu vas partir avec, ouais, avec ta copine? Ouais, il arrêtait pas de me dire. Il me dit, bah non, moi je reste à Clermont. Et tu sais, en fait, tous les deux jours, je me posais la question, parce que moi j'avais déjà préparé le coup, tu vois ce que je veux dire. Mais je disais à la salle, je lui dis, ouais, ça fait une semaine qu'il arrête pas de me dire, qu'est-ce que tu fais. Après, est-ce qu'il allait venir? Non, je pensais pas. Mais c'est vrai qu'il me posait comme si j'étais sa meuf en fait. Au bout d'un moment, tu sais, genre, je suis pas ta meuf, genre. C'est vrai, mais tu sais, voilà. C'était soit ça, soit je partais à Marrakech. Je me suis dit, vas-y, je vais aller voir Eden, ça fait longtemps. C'est vrai. Donc voilà, j'ai préféré. Ah, mais aller du coup, tu vas avoir la surprise qui est pas finie en fait. T'avais pas réfléchi à ça, toi? Bah son truc, sa surprise. Ah ouais. Bah il veut pas voir, c'est pas fini. Ah oui, ouais. C'est pas fini, ouais. Pour être spoil un peu. En plus tu m'as dit quoi? Tu m'as dit ouais, on peut pas l'envoyer ou je sais pas. Ouais, quoi. Eh oui, c'est vrai qu'on pouvait pas. C'est vrai que ça fait trop bizarre en fait de se voir. Ouais, c'est vrai que là pendant 2 mois on était en vidéo. On a charbonné de ouf. On se voyait en vidéo et tout, c'est vrai qu'on a bien charbonné. Et en plus ça, on va se voir beaucoup moins parce qu'on va faire que de charbonner deux fois plus. Parce qu'on a tous une chaîne secondaire et tout, on va devoir bosser deux fois plus. La chaîne Nouveau Minecraft, les gars, n'hésitez pas. Ouais, en plus, ouais, les gars, Minecraft, c'est un délire. Quand même. Le câlin, parce que c'est ça. Petit et truc en plus, vraiment. On part sur de bonnes bases. Allez, voilà. C'est beau, c'est beau. Aucune dignité. Non, c'est beau, il faut. Non, voilà, ça fait plaisir. Le pardon, c'est important. Ouais, c'est vrai qu'il faut pardonner, tu vois, dans la vie, il faut pardonner. Non, mais en vrai, enfin, tu vois, il fallait passer à autre chose. Je pense, comme j'ai dit, de toute façon, c'était beaucoup de non-dits. Après, les gens, ils comprennent pas mon choix. C'est mon choix et mon choix, tu vois. Donc, si les gens sont pas contents, je m'en bats les steaks comme je m'en bats les steaks depuis un moment. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fous, moi, de ce qui s'est passé et tout. Certes, c'est vrai que ça m'avait beaucoup. Après, on était peut-être un peu pas forcément mature, mais non, bon, on va pas parler de ça. De toute façon, on a déjà reparlé de ça dans la vidéo. Ouais. Mais de toute façon, voilà. Moi, je sais pas trop ce que t'as à me proposer comme plan, mais on a très faim. T'as pas dit, mais on dort chez toi, on a ramené sac de couchage et tout. Tout ce qu'il faut, frère. Il y a tout, t'inquiète. C'est vrai que sa copine m'a dit, si tu veux, tu dors dans le canapé. Je lui ai dit, non, mais c'est bon, on est beaucoup trop pour dormir et on va pas déranger. Donc, on a pris un hôtel.
D'ailleurs, faut qu'on aille voir. Mais gros, il y a ce qu'il faut, ma gueule, c'était non, con, quoi. C'est pas. Après, en plus, tu vois, moi, le petit, il dort, là, on l'a couché. Donc, voilà, mais tu es. Voilà, mais t'es chez moi. C'est vrai que t'es papa, gros, ça fait ouais, bizarre. Ça fait bizarre, tu vas voir, c'est un délire. Non, franchement, vraiment, je suis hyper content, ça se voit pas. J'ai perdu ce côté émotif depuis un moment. Mais c'est vrai que je suis hyper content, en fait, mais c'est juste que je réalise pas encore, en fait. Pour moi, on était encore en appel hier soir, il m'a dit, s'il te plaît, fais-moi ça. Gros, j'avais fait un mal de crâne, j'ai regardé plus. J'attends ma miniature. C'est vrai, je vais lui faire parce qu'il va me saouler après. Mais non, vas-y, je vais le faire parce que tu m'as aidé et je vais te la faire. Live Pigeon est le 17 juin, les gars, n'oubliez pas. C'est le 17 juin, ouais. Je sais plus. Bah, la date, elle s'affiche. Je fais une page. Voilà. Si, 17 juin. 17 juin, il y a le live sur sa chaîne aussi. Voilà. Le dernier qui sort. Dernier qui 3, sort. Et c'est moi qui organise. Et je suis avec la seule qui va jouer. Donc Philou, ouais. Je compte sur toi, s'il te plaît, fais pas n'importe quoi. Bon bah tout le monde aura un pouce bleu si ouais. Ça compte. Bah les gars, pied bleu, pouce bleu, vous likez ce que vous pouvez. Portez bleu. Si vous avez pas de bras, vous likez avec le nez. Si vous, enfin, bref, dans tous les cas, likez cette vidéo. La rencontre, c'est un truc de ouf les gars. Déjà moi ça me fait extrêmement plaisir, franchement, moi je l'ai toujours ouais. Dit. Non mais bah, bon, on se parlait des fois les soirs et tout pendant une heure et tout. On a fait, on se racontait un peu nos moments et tout. C'est vrai que c'était déjà plein de trucs. Je rappelle que mes premières vacances, les gars, que j'ai fait de toute ma vie, c'était quand même avec Eden, genre solo. Avion, majeur et tout. C'était vraiment avion. Avec toi. Ouais. Prendre l'avion solo, prendre moi l'avion. C'était avec toi. C'est vrai, ouais, on était parti à Mallorca. Il est resté malade d'ailleurs. Ouais, il me faisait le mort dans. Non mais je vous jure, c'est vrai, j'ai cramé, genre j'étais devenu tout rouge. En plus, c'est marrant parce que du coup, j'étais avec la même fille, du coup, et je lui avais envoyé un message, je lui ai dit, ouais, je suis tout rouge et tout, je suis pas bien. On aurait dit, tu sais, que truc dans Bob l'éponge, comment il s'appelait, Captain Krabs là. Ouais, le rose là. Je te jure, c'était le même. Ce Krabs. Et j'étais comme ça, et lui, il me dit quoi? Il me dit, ouais, viens, on va à Aqualand, je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais frère, je peux pas bouger. Ah, moi, ça va, je supporte la chaleur, tu vois. Ah, moi, j'étais pas bien, frère. Regarde comment je suis blanc de peau, regarde lui comment il est, couleur caramel. Tu dirais Scarface, la truc caramel. Caramel. Bon. On va skipper. En fait, là, on pourrait parler pendant une heure. Ouais, franchement, ouais, je la pose, là, vous racontez des anecdotes. Attends, on va faire de l'ASMR. Non, mais voilà, en tout cas, on va se tisser là-dessus. Pouce bleu, encore une fois. On va profiter aussi en privé, parce que c'est aussi ça, mais on va essayer de vous filmer un max de choses, ça va être drôle. Et voilà. Et puis d'ailleurs, c'est la première fois que je vois Chloé. C'est vrai. Tu peux la filmer, on s'en fout, filme-la. Filme-moi. Ah non, je rigole. C'est pour ça qu'elle s'est maquillée. La fille, elle n'est pas comme ça. Elle m'a sorti, je fais des photos, des trucs. D'ailleurs, magnifique télé de chez. Tu sais que j'ai envoyé un message à quelle heure? Minuit. Je lui ai dit, ouais, vas-y, faut que tu me prépares ça. Je vais décoller demain. Je dormais. En plus, on a décollé avec un peu de retard. Je vais dormir absolument et tout. Hein. Parce que de base, il y avait comment et Boubou qui allaient. Parce qu'il y a Boubou en bas. Ah, il est en bas? Ouais, il y a Boubou et l'alien aussi. Mais tous? Tout le monde est mais là. Pourquoi ils montent pas, frère? Fais les mots. Ah non, mais je lui ai dit, on n'allait pas arriver à 4 livreurs. 4 livreurs. Ah, ouais, mais la mesquine, faut les. Bah, on va leur dire. Oui, on va leur dire, on va leur dire. Bon, bah du coup là on est dans mon setup, donc lui il découvre mon setup parce qu'il l'a jamais vu, je lui ai envoyé une fois une vidéo de l'écran et tout. C'est vrai, du coup, franchement pas mal, j'apprécie beaucoup. On a l'impression que c'est rangé, c'est un peu le bordel parce que moi le petit il vient et casse tout, mais sinon d'habitude c'est encore plus rangé. J'ai le bureau qui monte et qui descend, t'as l'écran, là j'ai un deuxième écran en plus, et surtout j'ai le néon, c'est pour moi la plus grande fierté, ça reste le néon. Je veux le néon. C'est vrai que le néon il est sympa. Là, le néon, c'est pour moi la plus belle des choses. En plus, tu peux genre réduire la luminosité, tu vois, genre si tu mets 10%. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas mal en fait. Et puis voilà, après j'ai l'écran, j'ai la GoXLR, tout, le micro, mon nouveau micro d'ailleurs. Ouais, c'est un fait, faut que je l'achète, c'est le prochain investissement pour les vidéos, les gars, et pour les lives. C'est trop bien, tu peux tout faire. Genre là, par exemple, il y a un bel casque, parce que du coup, j'ai deux micros. Parce que quand je fais de la simulation ou truc, bah. Ah, c'est un Sennheiser, ça. Ah, ouais, c'est une bonne marque en plus, celle-là. Genre par exemple, regarde, vas-y, parle là. Ouais. Voilà, maintenant parle. Ouais. Et tu vois là, c'est enregistré, tu t'entends, non, bon, vous entendez salut pas. À tous. Et du coup, ça okay. Fait que le je peux mettre l'autotune. T'as vu, c'est incroyable. Hein. La GoXLR, d'ailleurs, ouais, très bon investissement pour les streamers. Moi, je la conseille. Je suis pas payé pour ça, mais c'est pour moi le top. Parce que ça fait compresseur et. Non, mais là, j'ai l'impression que je suis dans ce cas-là. Ok. Vas-y, freestyle. La salle, tu m'as laissé, t'es parti en vacances. Je suis maintenant chez Eden, ouais. Bon, on va continuer sur GTA. Hein. Vas-y, Eden, freestyle. Je suis avec Nune, on est posé, je vais voir ce soir. Dans tous les cas, je m'en fous. Parce que. Coupe. Il y a beaucoup d'abonnés à Clermont-Ferrand. Beaucoup d'abonnés à Clermont. Et il y a des cas d'ailleurs à vous. Mais ouais, ça se trouve, ils vont te croiser même demain. Mais Clermont-toi, on sait comme ça. Hein. Clermont-toi, ouais. Mais il y a pas mal de gens et tout, moi je suis content parce que quand on les croise et tout, c'est toujours le même truc. Ouais, les gars, je vous kiffe. C'est laquelle caméra que tu utilises pour les. C'est celle là-bas, mais je l'utilise plus parce que je mets plus la cam en souvent.
C'est vrai qu'en fait, moi aussi je mets plus du tout la cam. Ouais, en fait je sais pas. En fait c'est vraiment à l'ancienne aussi. C'est à l'ancienne aussi. Ouais, j'ai des scans caméra. Je pense que les gens ils aiment mieux. Dans les commentaires, vous aimez mieux sans la cam ou avec la cam? Boubou. Mais voilà quoi. Mais là j'ai la figurine Hulk, c'est la plus belle. Boubou, t'en penses quoi du setup? Bah franchement nickel hein, sobre, classique. Ça c'est franchement c'est qui fait les dessins. Du coup, elle a pas mal du tout. En référence à franchement, il est bien fait. Et elle a fait un dessin. La petite cagoule rose, la petite chemise de la salle, le petit caleçon de nuit. Ah ouais. Les petits détails repérés. Moi j'avais déjà vu, donc je vais genre. T'es venu masser en fait. Ouais, tu veux récupérer un truc dans le setup quoi. Demander tout de suite qu'ils te disent non, qu'ils te disent non direct. Qu'est-ce que tu veux? Une grotte. Ah bah non, c'est bon. C'est que j'en ai. Bien organisé, bien organisé. En fait, en gros, je fais ton setup sur ma chaîne. Ouais, en gros, voilà. C'est le setup de l'Evident, voilà. Non, mais après, je pensais pas le final. D'ailleurs, Vassal, il m'a dit, ouais, je vais faire comme toi, je vais rajouter des écrans sur les côtés. Je lui ai dit, bah vas-y. En vrai, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui demandent. Le PC là. Tout le monde le setup de la salle et tout. Mais sachez qu'il n'y aura pas de setup cette année avant GTA 6. Les gars, de toute façon, je vais dire un truc. Après, ouais, je sais pas si on le laisse ou pas. Le problème, c'est que la salle là, il habite actuellement dans un musée GTA. Genre, vous êtes pas prêt. C'est vrai. Moi, j'ai entendu qu'il va faire son setup. Son setup, il va faire sur une salle de cinéma son écran PC. Ouais. Au cinéma de Lutre. Vous allez être choqué. C'est un truc de fou. Tout ce que je peux vous dire, c'est vous allez être choqué. La salle, il est comme ça. Et maintenant, si quelqu'un me dit qu'il est différent, mais. La scène est comme ça, c'est-à-dire quand il va par exemple à Darty, c'est quoi sa phrase de prédilection qu'il dit à chaque fois? Prends-moi le truc le plus cher. Mets-moi le top. Mets-moi le top. Donc il a le top. Pas mal. Bon bah écoutez, là par exemple si je supprime ça, Eden il me tue. Non j'ai fini, tu peux le supprimer. Non mais si je supprime le fichier final, je parle. Ah tu vois. Le rendu. Non, franchement, moi j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans un. Avant j'avais trois écrans, mais c'est vrai que c'est pas mal. Bah, quand je joue, incroyable l'écran. Vas-y, montre-moi quand tu joues à GTA par exemple. Quand je joue à GTA, genre les gens ils voient un cul en. Ah, mais c'est pour ça qu'ils me trouvent dans les cache-cache. Ah, là, en fait, je vois plus que d'habitude. Je fais des dingueries avec cet écran. C'est quoi genre de dinguerie? C'est un gris mon pote, c'est tout. Du oui, RP, du RP intensif, du vrai roleplay. Je suis vraiment dans le rôle. Du vrai POV. Du vrai POV. Ah là tu vois loin, hein. Tu vois les détails. Hein. Ok, après c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de jouer sur la scène, il a un écran à peu près similaire. Ouais, bah non, il a le. Ah, on va jusqu'à chez Franklin, gros. C'est pas la même marque, mais c'est le même principe. En fait, ce qui est magnifique, c'est que tu vois vraiment, les gars, regardez. En fait, on voit. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, tu vois, sur les vidéos, ils voient la map là qui s'arrête en là. En fait, nous, ça s'arrête là. Avec l'écriture qui est là, et on voit genre un peu plus, tu vois. Ah oui, ok, d'accord, je vois le délire. Tu vois comment? Tu vois même les angles morts. T'as même les angles morts. Bon, les gars, je suis en train d'esquiver. Pilote. Non, t'es mauvais, t'es nul. Ça fait 10 ans que tu joues à GTA. Ma parole, je me demande si tu joues vraiment à GTA. C'est qui joue en fait GTA? Clavier souris, les gars, je suis pas bon. Il dit que clavier souris, il joue à League of Legends pendant 6 ans. Hein, donc, je te jure. Et il a claqué genre 4-6 euros dans League of Legends. Eden, tu conclues? Bah écoutez les gars, en tout cas, ça fait plaisir qu'il soit venu parce que même. Bah je savais même pas qu'il y avait vous, du coup. Bah. Dites-vous que juste avant, on a parlé pendant au moins. Ouais, on a parlé. Une fois, j'ai pas regardé l'heure, on est parti. Ouais. Non, on a parlé longtemps, mais parce que on avait besoin de reparler, de se rappeler des délires et tout, mais c'est toujours aussi cool de toute façon. De se toucher physiquement, de sentir notre peau, notre odeur. Voilà, c'est toi. Oh. C'est vrai. En plus, j'ai l'impression, tu vois, je sais pas, mais genre, comme si on s'était jamais quitté, tu vois. Ouais, c'est comme ça en fait, on s'était vu, genre, on était à Mallorca il y a genre un mois, tu vois, même pas. C'est bizarre un peu, mais. Épisode 2 à Mallorca, Eden. Voilà. On se remet retour à Mallorca. Je suis retourné en plus. Non, c'est vrai. Je suis retourné et il y a quoi? Il y avait trop d'Allemands là-bas, c'était trop. Avec l'alien qui drague en terrasse. Sur ce, les gars, pouce bleu, abonnez-vous. Ça sert à rien. Venu d'Algérie. Bon, les gars. Aujourd'hui. Comment ça se passe? Arrive au Airbnb. Moi, j'entame mon petit shawarma d'Algérie. Ah ouais, t'es chaud toi. Alien, bon bah. Bon, tu sais ce qu'il est en train de, il est en train de pisser. Donc petit. Sympa. Franchement sympa. Et franchement, on est au centre-ville. On dort là-haut ce soir, tous les deux. Nous, je pense qu'on va. Là, c'est qui claque en fait. Ouais, ils sont bien au cul. Bienvenue. Vas-y, montre-nous. Fais comme si t'étais un. Allez, vous me suivez. Un gars qui veut vendre l'appartement. Ah oui, donc toi, tu vas aller là-bas, étant donné ton mètre 12. Et moi, je vais me mettre là.
Et je vais t'attendre. Et je pense que l'alien il va venir là sur les matelas. Alien, il dort là. Alien, tu dors là. Viens, viens t'allonger, montre aux abonnés comment tu vas dormir. Montre, viens montrer aux c'est abonnés. C'est ça. Un lit de chien. Ah oui. Bah t'as montre bien. Tiens, ah, pas que ça. Ouais, moi je pourrais dormir comme ça. Allez. Voilà. Voilà. C'est petit, je m'attendais à plus. Ça, ouais. Ça avait l'air vraiment plus gros. Salle de bain, je vais pas montrer la salle de bain. Ah ouais, pas mal. Salle de bain, bon, c'est petit, salle de bain tranquillement. Et voilà quoi. Hein? Boubou, avoue ton crime, qu'est-ce que t'as fait? Regardez, je vais te casser un gant. Voilà. Voilà Boubou. La vérité sur Boubou. Ça c'est le règlement. T'as cassé un verre. Bon les gars, petite journée avec Eden, il va nous montrer un peu sa ville. C'est vrai. Alors bah déjà je suis mieux habillé qu'hier parce qu'hier j'étais m'avais pris de cours, j'étais en pyjamax, toutes les couleurs. Tu sais c'était les vêtements qui restaient, tu vois, du coup j'ai pris ça. Mais non vraiment là je suis bien, je vais vous montrer un peu la ville. Après moi clairement j'y habite depuis maintenant, ça fait 2-3 ans, en sachant que j'ai déménagé parce que je déménage tous les ans en fait. J'ai déménagé vraiment tous les ans. Je suis pas monté encore au Puy-de-Dôme parce que l'emblème ici, le Puy-de-Dôme, c'est la montagne. C'est genre l'emblème de la truc, c'est ce qu'on retrouve à Clermont-Foot, machin. C'est un peu galère à monter. Je pense pas qu'on pourrait le faire aujourd'hui parce que ça est vraiment galère. Mais sinon, voilà, après la ville, elle est bien. C'est une bonne ville, ça vit surtout. Ouais, voilà. Il y a pas mal d'abonnés d'ailleurs. Les abonnés de Clermont, les gars, ceux qui m'ont croisé. Franchement, magnifique. Très bel accueil. C'est ça, il y a énormément d'abonnés qui sont là. Moi, je les croise. On vous a parlé aussi des taureaux hier. Des trucs de taureau, non? De taureau? Mais qui s'y me raconte, les gars? Non, ça c'est quand tu discutes avec les aliens. Il est en Espagne, les gars, il parle de quelqu'un. Va dormir, mon pote. Si j'ai parlé à deux meufs, elles m'ont montré. Oh! C'est là cette année, t'es là cette année, hein? Des trucs de taureau, elle m'a dit c'est 5 jurys. La corrida! Là techniquement où est-ce qu'on va manger parce que là on a très faim. Là on va aller manger peut-être, alors j'ai deux hésitations, soit un kebab dans l'abonné du coup qui est ici. Soit un restaurant, en fait le concept c'est qu'il y a plusieurs restaurants dans un seul endroit et en fait chacun se sert où il veut et après tu manges à la table tu vois. Et genre moi j'ai goûté indien, c'est un truc de ouf. On va voir ce qu'on va faire. Voilà. Et vous quoi, comment ça se passe? Il faut que j'aille offrir un cadeau. Moi je suis le mouvant, j'attends qu'on aille au garage, j'attends de voir ce qu'on va manger. Et tu peux nous dire c'est quoi les 5 euros là que t'as posé? C'est 5 euros parce que je suis un mec cool, je suis un mec bien et l'appartement était cool et j'ai décidé de laisser un petit pourboire. Eh bah, ben c'est sympa. Était cool aussi. C'est sympa Boubou. Ouais, toujours. C'est sympa, il a juste cassé un vase. Voilà Boubou. T'as cassé un verre. Là, c'est parfait les gars. Et bah let's go. Voilà. C'est comment? Tu nous as ramené où là, dis-nous? Je vous ai ramené un kebab du coup d'un abonné qui s'appelle Onur, dédicace à lui. Ouais. Voilà pour ceux qui connaissent de Clermont, c'est rue de Gaillard tout simplement. Et puis voilà. C'est qui là qu'on a vu là? C'est mon petit-fils, voilà, c'est mon bébé, c'est ma vie. C'est fou parce qu'avant on disait ouais t'as des enfants, bon toi t'as déjà des enfants mais... Moi j'en ai déjà 4-5 ouais. Après voilà, ça lui il en a 32, t'imagines c'est chaud. Et là, on est sur l'équipe, la deuxième équipe, seconde zone. Toi tu nous as commandé à manger là? Je suis parti sur un kebab, ça harissa, sauce blanche. C'est quoi que t'aimes dans l'harissa en fait? C'est quoi, c'est la texture, c'est le goût? Les épices. Je vais aux toilettes après. J'aime bien quand ça le pique. Toi Boubou tu nous as commandé quoi? Un petit wrap moi. Qui veut se faire masser les gars aujourd'hui? J'ai des massages aliens, tu te fais masser après. Ou l'alien va se faire masser. Alien, tu te fais masser ou pas? Non. C'est au frais de nuit non en plus hein. Et toi, tu vas te faire masser ou pas? Moi je me fais masser. Caméraman, je pense qu'il a porté la caméra. C'est une certitude. Ouais, bon bah. Et il donne un massage? Ouais, bon ça va. Mais toi, fais-le toi. Ouais, moi je te filme. Je peux te faire masser, caméraman. Eden, t'as pas changé hein. Pourquoi? Eden, t'as pas changé toujours en mode taco. Tu sais que pour l'anecdote, l'Andalou, c'est toi qui me l'a fait découvrir. Je la connaissais pas. Bon, qu'est-ce que tu as pris de bon? Écoutez, moi j'adore les panini. Mmh. Donc je suis parti sur un panini bien fromagé. Le chef nous a régalé. Avec des petits trucs. Et de son côté, c'est un petit taco, je pense, c'est ça? Ça fait genre hyper longtemps que j'ai pas mangé de tacos. Je suis pas spécialement fan, mais c'est vrai que là j'ai voulu un tacos. Ça fait un moment que j'ai pas mangé de tacos. Il est un peu stressé au niveau de là, c'est ça? Ça va, ça va. Ça va, c'est pas quelqu'un de... Oui, il est bien. Il est bien. Il est bien. C'est plus que tu remets des vues, ça tout va bien. Ça, depuis que ça reprend les gars les vues, on est pas mal. On est à l'aise. Ah, c'est un 4 mains. T'imagines ou pas le massage de mort. C'était du bien ou pas? C'est pas mal, j'aime bien. Ah, c'est que le début.
Tu lui as dit que le massage, les 10 euros, c'était pour deux. Hein. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis 2017. Ah ouais, quand même. Et ouais, ouais, là j'ai commencé à travailler dans les grands établissements. Serge Blanco, des hôtels de luxe. Et je suis dans les spas maintenant. Ah ouais, ouais, petit marron. T'en penses quoi? Il y a des petits à-coups en fait. Des petits à-coups de tension comme ça. C'est utilisé pour détendre les tendons, etc. Et là, on va passer au cervical. Ça, ça doit faire du bien, ça. La lune, t'es comment là sur ces cervicales là? Là, t'es aux anges. C'est meilleur là. Hein? C'est magnifique là. Là, je voyage, là, je me vois à Los Angeles. D'accord. Mais encore? À Los Santos. D'accord. Entouré plus précisément, t'es entouré où, de femmes. Entouré de femmes. Qui crie mon nom. Qui crie quoi? Bon, au débrief, franchement, je mets un bon 10 sur 10. Je pense 10 sur 10 pour monsieur. Là, on va l'engager. Ouais. On va l'engager. Il vient avec nous, il part avec nous. Ouais, il part avec nous sur Nancy. Là. Allez, il part avec nous. Ah, non, merci Jordan. Tester corne de gazelle, moi, s'il te plaît. Avec cookie. Avec cookie. De boule. Corne ou quoi? Pour moi. Bon. Tu veux quoi, ta boubou? Dis-nous ton moi, boubou. Moi, je veux une bon. Moi, j'aime bien les trucs chimiques. Ah ouais? Les trucs bleus. T'es pas dans la nature, toi? Bleu. Non, j'aime pas la nature. Tu veux devenir bleu? Tu veux être un schtroumpf? Je veux devenir bleu, je veux devenir un schtroumpf. Tu veux être un boubou schtroumpf? Un gros schtroumpf bleu. Corne de gazelle. Première fois que je teste. Waouh, c'est abusé. Je vais goûter, moi aussi. Pas mal? C'est exactement le même goût. C'est ce que tu imaginais. C'est exactement le même goût, je te jure. Oui, c'est corne de gazelle. Peut-être c'est de la corne de gazelle. Voilà, c'est ce que j'allais dire, voilà. Elle est mixée et congelée. C'est du steak, quoi, en fait. Cookie, m'attend. Cookie, tu goûtes, tu nous dis? Amine, tu prends pas? Après, rien d'autre? Ouais. Deux boules vanille et fraises. En pot pareil. Bon, les gars. Il est temps de se dire au revoir. Eden, c'est une photo en fait. J'ai cru, je suis prêt pour le braquage dans GTA 6. Voilà, on va pas montrer le scooter d'Eden parce que tu comptes faire des gros braquos en ce moment. C'est ça, je peux pas montrer, je peux pas. Voilà, donc c'est assez sombre. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir. On se prend une petite frise, tu connais. Je sais même pas, c'est bon ça, ouais, je crois que j'avais goûté, c'est bon. Que je veux dire, franchement, ça m'a fait plaisir de voir une huile. Voilà, franchement, c'était cool. Ça faisait longtemps, ça faisait. On n'a pas tout filmé et tout, mais vraiment, on a bien rigolé. C'était vachement marrant, ça rappelait pas mal de souvenirs. Et voilà, ouais, j'espère que vous êtes aussi contents. Ouais, la rencontre, enfin. Je vais le défoncer après la vidéo. Et voilà, puis on se dit les gars, à très bientôt pour peut-être une vidéo IRL. Et puis voilà.